Salut à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 8 sur Assassin's Creed Valhalla, toujours avec Itacarne, ça change jamais. Salut. Allez, on va continuer la quête principale. Et du coup, je pense que le secondaire, ce sera des L'endroit trucs n'est en pas off qu'on mauvais, mettra au Igor. début. Pas mauvais du tout. Est-ce Allez. que je peux t'aider? Non. Le début de mon S'il te live était plaît, à démette ta forge au 144p, mon gars. service le plus tôt Je possible. voyais 4 pixels Pour qui se cela, baladaient nous sur aurons un besoin de écran. matériaux. Ah, tu veux dire qu'il faudra jouer les Vikings Un pixel alors? qui court. Bien, bien. Cette époque me manquait. Les attaques, le pillage, le son des lames et le choc des boucliers. Je te demanderais bien de te joindre à nous, mais tu es notre seul forgeron. Tu es trop précieux. Précieux. Ah, ne t'en fais pas. Les haches, il vaut mieux que je les forge. Ma place est ici, pas à manier la rame d'un destrier des eaux. Ça me fait penser que... J'ai trouvé une carte dans ce qu'ont laissé les brigands. L'emplacement de huttes de moines saxons y est marqué. Forcément. Comme nous, les brigands savent que les monastères sont pleins de richesses et de trésors. Emporte cette carte. Et fais-en un meilleur usage qu'eux. Vol. Comme eux. Tue. Comme eux. Pille. Comme eux. Mais fais-en un meilleur usage qu'eux. Ne sois pas Vous comme eux. C'est la différence entre le viking et, entre le viking et le voleur. Le viking, il voit un trésor, bah, il le vole. Et le voleur, il voit un trésor et attaque il le vole. Monastère. Mais le viking, il le vole pas pareil. Parce que c'est un viking. Bah ouais. Parce que le Attaquer. voleur, il voit le trésor et il le vole, mais... Attaquer des lieux bien gardés est idéal pour trouver les coffres de ravitaillement et de matières premières. Ces éléments sont nécessaires pour construire des bâtiments dans la colonie. Une attaque de pillage est terminée lorsque tous les coffres de richesse de la zone ont été pillés. Gardez l'oreille et écoutez. D'accord, donc là je dois les piller un camp quoi. Là je fais lequel parce qu'il y en a plein. Là. On va faire le plus proche. Hein. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Allez go! Parce qu'on a galéré à lancer le live que pas possible. Ah ouais, comme. Ouais. On a eu des... En fait, on avait des vieux bugs dans le ciel, c'était genre des gros pixels de bleu et blanc. Genre un peu comme le bug énorme. De lumière qu'il y a eu au précédent épisode, mais. Ouais, encore, non, là, parce que là c'était pire. Là, clairement, c'était des carrés, c'était marqué de fou, c'était vraiment des gros pixels quoi. Déployer la voile. Allez hop. Ah, tout ça, c'est du après, secondaire qu'on fera. On est critique avec le jeu parce que. Parce qu'on a vu full bug, mais en vrai, il vient de sortir, quoi. Mais oui, c'est sûr, mais bon. Enfin, tu me diras, à quand l'époque, tu sors quand un je jeu, sortais, oui, il y avait voilà, plus de bugs. C'est ça. S'il y avait des bugs, ils étaient là pour toujours, les bugs. À l'attaque! On pouvait pas faire de mage et tout, c'est pour ça qu'ils étaient plus travaillés, les jeux. Ça me fait rire parce que là, t'attaques des gens, et genre, au précédent épisode, genre, tu passais devant des villages en mode... Oui, c'est ça. Sur tes bateaux et j'avais des gens qui regardaient en mode des touristes. Ils sont venus pour prendre la tour Eiffel en photo, dis donc. Oh, c'est un bras ça? Oh la vache! Je crois que c'est un bras. Après, tu me diras, il y a des têtes qui volent, pourquoi pas des bras? Bah oui. Ouf! Oh, il l'a défoncé! Il a enlevé toute sa vie, hein! Tiens! Oh, encore un bras qui est parti là! Ah, à chaque fois que je fais cette attaque là, ça fait voler les bras! Bah alors, on s'en sort en animal? Parce qu'on devient un manchot! J'ai compris la blague! Tu vois, le bras. Le bras se barre à chaque fois. Par contre, je dois faire. Ah oui, je dois piller, c'est vrai, les ravitaillements. Ouais, par contre, ils sont où? Ils sont où les ravitaillements? Parce que c'est bien beau que. Ok, faut les piller. Bah, utilise Sinine. Non, peut-être pas, je sais pas. Ah, oh. Hey. Hey. Boy. Ah,
Ah, tu peux pas péter le vitrail ? Le vitrail ? Ah oui, là ? Ah, peut-être ? Oui. Oh, si, nice. Yes. Bon, on va faire ça. Hein. Oh. C'est pas un petit coffre, là ? Ah putain, si c'est un allié. Le dieu de la mort s'abat sur vous. Ah, faut que vous soyez deux. Oui, bah. Mais putain de merde. C'est incroyable ça. Ok, c'est bon du coup. Ça a l'air d'être bon, peut-être d'autres choses, mais... Tu voulais... Voilà. Ouf. Putain, mais... Qu'on a... Il on m'attaquait même pas à la base et... On appelle ça un dégât collatéral. Ah, je peux pas attaquer avec le marteau chelou. Je peux attaquer qu'en en utilisant mes... Bah, en fait, cette attaque-là, quoi. Si j'attaque, en fait, ça, tu vois, ça part. Ah oui. Ça fait une parade. C'est quoi ça? Ça manque un peu de... Je trouve que ça manque un peu de finish move. De trucs ouais. Genre bien... Tu vois, en mode... Je crois que c'est que quand on tue le dernier... C'est que quand on tue le dernier qui a un finish en fait. Ouais. Ah ben non. Tu sais genre un truc où genre la caméra elle se rapproche. Ouais ouais non mais oui je vois ce que tu veux dire. Mais si mais bien badass, dit, je crois que c'est vraiment que quand on a tué tout le monde et qu'il en reste qu'un et qu'on tue le dernier. Il s'appelle comment lui? Yo man. Yo man. Ça c'est tellement vénère quand tu le démontes au sol. Ouais. Elle est trop bien cette attaque. Bam, 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 bam. Ah tu vois. Oh. Ouais. Ouh alors c'est que les mecs en... Ouais c'est que les boss en fait qui... Les boss c'est peut-être les derniers qu'on tue, je sais pas. Finish him. Est-ce que c'est ça que je dois faire? Parce que là il y a écrit retourner au camp. Moi je veux ouais, bien mais il reste des méchants. T'es pas obligé de les buter après, mais c'est pas. Allez hop, les. Merde, j'ai un pote à terre. Ça prend légèrement feu dans le coin là. Ah bon? J'ai même pas vu. Ah oui, je vois bon des. T'as pas vu le changement de couleur de colorimétrie? Ah ouais! Oh! Stylé! Ouais, retour au bateau. Ah non, attends, je peux peut-être me TP direct. En fait, je crois que soit tu peux revenir à ton camp. Et non, tu vois, il est pas écrit fini. Ouais, ouais. Ouais, mais tu t'es emparé des richesses, tu vois. Je sais pas. Attends, y a un autre trésor ici. Quoi? Non, c'est là. Peut-être que je récupère tous les coffres pour finir le lieu, je sais pas. Comment je rentre là-dedans? I don't know. Ah, là peut-être. Non. C'était pas ça. Là ça va être fermé. Hé hey, par ici. Allez, un autre coffre comme on dit dans le milieu. Yes. Eh, hey, je n'y arriverai pas seul. C'est bon. Là, c'est bon, c'est. Allons-y. Attaque menée à bien. Ah, tu vois. Ouais. Matière première, richesse côté. En fait, faut récupérer toutes les richesses. Bah après ils avaient dit que le gars, ils avaient dit que le gars, il avait déjà ce qu'il lui fallait, mais. C'est quoi ça? Puissance suggérée 20.
C'est un gros boss. Ça a l'air sa d'être mère. Un fucking mercenaire, mon gars. Et t'as un beau tête de mort quand tu le vises. Est-ce que je peux l'assassiner? Bah, c'est un chevalier. Oh putain, mon gars, t'es mal. Qu'est-ce que j'ai t'es fait? Très très mal, t'es très très mal. Bang, allez, faut pas faire chier mémé. Faut pas faire chier mémé. Aïe. Il est grand, non? Eh, je m'en fous, je vais le battre. A mon avis, à mon avis il te touche, il te bute. Dans deux secondes, je pousserai. Putain, mais il est... Franchement, c'est full flèche, mon gars. Ah, mais j'ai pas assez de flèche. Oh le bâtard! Oh, non, c'est vrai, c'est pas si mal. Oh, juste la moitié de ta vie. Ah, ça va, il me fait pas si mal. Bon, on va avancer l'histoire, hein, écoute. Hein. Je crois qu'on a compris ce que ça voulait dire. Par contre, je suis deg parce que j'ai pas eu la proposition de l'assassiner direct. Ça fait chier. Oui. I am agree with you. Attends, mais t'es sérieux là? Ouch. Allez, le genou, la flèche dans le genou, Skyrim. Et quoi? Attends, t'es en train d'essayer de me faire croire que le genou il était pas visé là? Mais lol! Oui! Tiens! Ouais, allez, attaque! Yes. Allez, attaque! Je suis sûr que je peux le battre en plus, putain. J'ai défoncé tout à l'heure. Allez, tombe! Tu veux vraiment essayer de le buter, quoi. Ah bah oui. T'as quand même une tête de mort à gauche, un truc qui est pas au niveau. Ok, vas-y, c'est bon, j'arrête. Je sais pas c'était quoi son truc là. Mais... Ah, t'as lancé une grenade, mon gars. Je sais pas, genre ça s'est collé, on aurait dit un gros caca, tu vois. Cours parce qu'il va directement te cramer, du coup. Ouais. Yes. Je m'en vais. Oh merde. C'est bon ça. Oh, t'as dû piquer son cheval. Attends, il va... Oush! What the fuck? Y'a un cheval juste devant toi. Hein. T'as voulu faire quoi? Yes, l'épée volante! Je me suis dit, point où j'en suis, tu vois, autant utiliser une de mes compétences et le défoncer pour voir ce que ça fait, et puis partir après, tu vois. Comme ça le stun, et puis je peux m'enfuir, mais là... Putain, mais c'est quoi sa mine de caca, là? Attends, il va pas me reconnaître. C'est pas qui je suis. Je suis caché. Ah, là. Attends, est-ce que je peux me TP, au moins? Oui, allez, hop. Oui. C'est parti. Mon kéké. J'aimerais bien choper une autre cape, en fait. Parce qu'en vrai, la tenue est stylée, mais je trouve que la cape, elle est trop... Elle cache trop la tenue, en fait. Ouais.
Genre il pleut dans l'animus, dans le chargement de l'animus, il pleut quoi. Il pleut toujours dans l'animus. C'est une simulation météorologique. Avec de bonnes nouvelles, j'espère. Ah ouais, t'as un système de camp, faut construire des trucs et tout. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est magnifique, Eivor. Cette forge est encore plus grande et plus brûlante que celle que j'avais à Thornberg. Passe me voir. Ah, c'était pas compliqué. Pour les armes et l'équipement, je suis le meilleur. Je le ferai, Gunnar. Sois-en sûr. Heureux de te voir. Ah, yes. Alors, au revoir. Ça faisait longtemps. Bâtir la colonie. Accéder à des services quêtes spécifiques et encore plus en construisant des bâtiments à Ravenstroop. Pour construire un nouveau bâtiment, approchez-vous avec suffisamment de ravitaillement et de matières premières. En grandissant, la colonie gagnera en renommée et offrira de nouvelles possibilités de construction. Appelez le corbeau pour afficher les services existants ou constructibles. Tu devrais améliorer tes équipements. Eivor, combien de temps ça faisait? Une minute? Waouh! Dis-moi, quel est ton métier? Si tu as besoin de décorer ou d'améliorer des armes ou des armes... J'aimerais voir ce... Ouh! Elle est mieux. C'était une nouvelle apparence. Je vois pas ce qui s'améliore en fait. Si, un nouvel emplacement de runes plus une nouvelle apparence. Est-ce que ça vaut le coup, tu penses? Dans ce cas, faut que j'améliore tout. Vas-y, allez. Hop. Hop, allez. Bon, je vois pas ce que ça change. Oh! Ah oui! J'ai amélioré toute ma tenue, là, on est d'accord? J'ai rien d'autre. Ton arc, peut-être, non? Ah, je pense que je vais récupérer des. Santé, t'es au fait. Et la qualité de mon travail. Elle est un peu plus quali, la cape. Un petit peu, ouais. Par contre, la tenue, je trouve que je préférais peut-être celle d'avant. Au niveau du reste de la tenue. La cape est plus quali, mais. Ça va. Ça passe encore en fait. Ouais. Ça va. Ok, bon. Allez, on continue, on va avancer la principale. Sigurd. C'est moi, t'as un territoire plus petit qu'ils appellent Shire. Eivor, par ici. Shire. Tu vas t'installer dans cette salle. Ma meilleure arme, car cette pièce sera la tienne. Tu pourras y dormir, suspendre ta hache ou te noyer dans tes pensées. Est-ce qu'elle te plaît? Elle me va très bien. Mais je serai tout aussi bien avec les guerriers sur le quai. Je n'ai pas besoin d'un traitement de faveur. Je crois que tu te méprends. Je tiens à t'avoir ici, dans la maison longue, près de moi. Je suis peut-être le Jarl de ce clan, mais nous dirigeons ensemble, depuis toujours. Alors, habitue-toi à ta pièce, et quand tu seras prête, rejoins-moi à l'écurie. Alors par contre, j'espère, après je sais pas, hein, mais j'espère qu'on va rejoindre le clan de ceux qu'on ne voit pas, tu vois. Parce qu'on les a vus, mais je suis en train de demander, ça se trouve, on les a vus, et puis basta, c'est tout quoi. Genre, ils partent dans leur coin... Puis bon, on va en entendre parler vite fait par-ci par-là, tu vois, mais sans ça plus. Ça m'étonnerait, mais. Ça m'étonnerait aussi, mais. C'est jamais. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Frappe dans le dos, frappe un ennemi dans le dos, augmente les dégâts défensifs et le fait chanceler. Ah, c'est quoi ça? Dans l'assassinat, toi. Là, c'est flèche, on s'en fout. Voix du corbeau. Alors là, c'est quoi? Dégâts d'assassinat. Allez! Dégâts au corps à corps. Allez! Combat critique. Allez! Voix du corbeau. Allez! Alors, c'est quoi qu'on a débloqué là? Fouillotto. Ouais, non, c'est à côté que t'as débloqué quelque chose. Je sais pas ce que t'as. C'est un truc assassin, je crois. Ouais, mais si, ça a débloqué toute la branche là en fait.
Ouais. Il y a trop de trucs. Hein. C'est quoi ça? Soin de la dernière chance. Votre santé atteint un niveau critique durant un conflit. Tout ce qui vous entoure semble se déplacer plus lentement, ce qui vous offre l'occasion de vous soigner ou de vous enfuir. C'est cheaté? Un petit peu. Vas-y, j'ai amélioré ça. Allez! Et là, la prochaine, ce sera ça. Allez! Alors, on est parti. Alors, c'est quoi ça? Une boîte pour les messages et les requêtes. Je voulais pas me mettre dessus, mais c'est pas. T'as une lettre? Oh là, ah oui. Alors, situation de Ravensworth Bivouac. Voilà notre nouveau bivouac sorti d'un tas de cendres noires laissées par les fils de Ragnar. Il peut paraître désordonné, mais nos efforts peuvent le transformer en fanal de commerce et de culture. Nous sommes dès à présent en mesure d'envisager l'installation des services suivants. La forge, le bureau de ceux qu'on ne voit. Yes. Écurie et volière, comptoir d'échange, caserne. Dès que la forge fonctionnera, je pense qu'il serait utile de bâtir le bureau de ceux qu'on ne voit pas. Eitam pourra en effet nous aider à nouer des alliances dans les villes d'Angleterre. Si tu as des questions, n'hésite pas à revenir me les poser, Randvi. Eh ben, on va créer le bureau de ceux qu'on ne voit pas. Écoute. Ça paraît logique. Et là, on peut dormir, apparemment. Oh, j'ai rarement eu un aussi bon lit. Et un endroit aussi agréable pour me reposer. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à moi. Ça sert à quoi d'aller dormir? C'est à moi. Je dors habillé. Avec les coussins qui sont à côté de moi. Genre, elle dort en grosse armure et tout. Ok. Plus 15 PV. La la la. La 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 la. Ok, bah ça servait à rien en fait, hein. Finalement. Je sais pas, faire passer le temps. On va du réalisme. J'ai mal au dos à me tenir ici toute la journée. Que fais-tu ici déjà? Si tu veux te faire tatouer quelque chose, tu viens et je m'en occupe. Et, mais bien sûr, sans échoppe, pas de tatouage. Dès que tu le pourras, bâtis-nous. Ok, faut que je bâtisse tout en fait. À la prochaine. Tout ce que je pouvais faire dans le village de base, faut que je le reconstruise ici, quoi. C'est ça. Bah d'ailleurs, je pense que ça va être ça, les métiers des quêtes principales. Hein. Tu vas devoir faire l'écurie. Radieux est le chemin devant nous. Chemin qui nous mène à la gloire. Que se passe-t-il? Basim, déjà? Regarde derrière. Partir, lui aussi. Est-ce que c'est vrai? Nous savons que les fils de Ragnar sont installés au nord. Il nous serait utile de leur rendre visite pour renforcer nos prétentions sur ces terres. Et c'est là qu'est allé Basim? Les motivations de Basim lui sont propres. Laisse-le faire. Nous avons des tâches plus pressantes. Je vais aller dans le Leicestershire, jusqu'à une ville appelée Repton. Eivor, je compte sur toi pour m'y rejoindre quand tu en auras fini ici. Je peux venir tout de suite. Il me faut un cheval. Pas encore. Va d'abord voir Ranvi. Elle a plusieurs tâches à te confier ici. En plus de faire grandir la création des échappées et tout. Ouais. Tu vas devoir nouer des alliances. On ne peut espérer pacifier l'Angleterre avec si peu d'amis. Dans ce cas, je dois t'accompagner, Sigurd. Je suis un meilleur compagnon pour les longues routes. Non, Dag. Ta place est ici avec les guerriers. Et tu feras ce que t'ordonnera Eivor. Il a trop vénère derrière. Sois prudent, mon frère. Mon maître, il est parti. Oui. Et moi, je veille sur nos pillards. Faire ce qu'ordonne Eivor. Il me met à l'épreuve. Peut-être bien. Sigurd est quelqu'un de sage. Je préfère encore devoir obéir à un pou. Pouah! C'est vénère. Mon ego a pris mal. Je suis un pou. Et moi, je suis tout seul. Aitam, maintenant que Basim et toi est installé, que comptez-vous faire? Des tâches nous attendent, pour commencer dans les villes d'Angleterre. Lunden, Jervik, Winchester. Les trois villes sont infestées par des membres de l'ordre auquel appartenait Kjotve. Mais son influence s'exerce bien au-delà. De toutes les contrées de ce monde, je crois que l'Angleterre est la plus touchée. Génèrent-ils les mêmes troubles que ceux que causait Kjotve en Norvège? Pas seulement des troubles. Il répand un fléau d'illusions et incite hommes et femmes à s'abaisser et s'asservir en échange du pouvoir. L'affaire semble te tenir à cœur? Bien entendu. Ce qu'on ne voit pas n'a aucun but. Libérer le corps et l'esprit des hommes de toutes les entraves autres que naturelles.
pas qu'il cela fait plus derrière. De 4 siècles que nous sommes absents d'Angleterre. Je l'entends aussi. Ceux qu'on ne voit pas n'y agissent plus depuis la chute de l'Empire romain. Cette absence a permis à l'ordre des anciens de croître et de prospérer. Notre tâche promet d'être difficile. Mais si nous avions un bureau, Basim et moi pourrions nous mettre au travail. Si tu as le temps et les moyens d'en bâtir un, nous te serions très reconnaissants. Je vais voir ce que je peux faire. Bah, je vais le faire, mais du coup, là, ce son... Eivor, mon écurie laisse à désirer pour l'instant. Si tu peux me construire quelque chose de mieux, je te... Vas-y, démerdez-vous, il n'y a pas qu'elle qui doit travailler. Sans blague. C'est quoi, c'est une quête... Ah, c'est peut-être ça, par contre, la voix du berserker. De quoi? Un message est arrivé. Ah oui. Bah, tu peux lire les deux. On va lire les deux. Alors, lettre de Sigurd. Eivor, j'espère que cette pièce te convient. Au fil de l'accroissement de notre renommée dans la région et des alliés et amis que nous nous ferons, nous devrons rester constamment en liaison avec eux. Randvi déposera dans cette boîte tout le courrier que tu recevras. J'ai déjà un coup d'œil de temps en temps, Sigurd. Message de Norvid. Eivor, les dieux nous sont favorables. Dans une grotte proche de Northwick, j'ai aperçu une légende Bjorn, le berserker. Ah, le berserker, voilà. Un grand ours blanc l'accompagne et des soldats merciens cherchent sa trace. Ok. Bjorn d'ensanglante. Voilà. Les berserkers font de féroces ennemis, mais des alliés puissants. Sa force serait utile à la colonie. Il faut que je le trouve. Ah, tu es là. Bjorn d'ensanglante. Les berserkers font de féroces ennemis, mais des alliés puissants. Sa force serait utile à la colonie. Il faut que je le trouve. Yes. Tu désirais me voir? Ainsi que la Bjorn dans sanglante. Nous revient d'étendre notre présence en Angleterre. Il veut Bjorn dans sanglante. Solide, avec tous les gens du Nord, Danois et Saxons qui vivent ici. Oui, nous venons d'ailleurs. Il sera utile de se faire des amis. Par où commencer? Mes éclaireurs m'apportent chaque jour des nouvelles et informations intéressantes, et je commence à me faire une idée de cette contrée divisée. Au fur et à mesure, je pourrais te fournir un aperçu de chaque territoire avant que tu décides de t'y rendre. Entendu. Est-ce qu'il est ? Lorsque tu auras conclu une alliance avec un territoire, reviens me l'annoncer. Nous déciderons alors de la prochaine manœuvre. Je comprends. Bon, par où commence-t-on ? Par Bjorn d'ensanglante. Rejoindre Sigurd dans le Leicestershire, au nord, et rencontrer les fils de Ragnar Lodbrok, ou aller au sud dans le Grand Britshire. Retrouver Bjorn d'ensanglante. Mené par un jarl du nom de Guthrum et son bras droit Soma. Je dois ajouter que notre jeune ami Aitam Soma a échangé Yuki, avec ses propres contacts au sein des villes. Ses recherches pourraient nous aider à nouer des alliances dans les villes d'Angleterre. Va le voir pour savoir ce dont il a besoin. J'aimerais voir la carte des alliances. Pour l'instant, il n'y en a pas. Alors, carte des alliances. Pour que la colonie prospère en Angleterre, votre clan doit conclure des alliances. Convoitez un territoire pour confirmer votre souhait d'alliance. Au fil des engagements et des alliances, d'autres territoires deviendront disponibles. Ouah, ça a l'air stylé quand même. Ah, c'est pas si petit que ça, hein. Parle-moi du Leicestershire. J'aimerais bientôt rejoindre Sigurd. Il s'est rendu dans un bourg du nom de Repton afin de rencontrer Ubbe et Ivar Ragnarsson. D'après ce que je sais, ils sont sur le point d'exiler l'actuel roi de Mercy, dans l'espoir d'y installer un roi bien à eux. Une entreprise audacieuse. Je devrais aller les y aider. Je crois aussi, oui. Et en gros, c'est combien de puissances suggérées ? Mais on est où, là, nous ? À Gand... Ah, on est là. Ah, attends, oui. attends. Donc ça veut dire que... Ça veut dire qu'en gros... Je dois partir. Si j'ai bien compris... Tout ça... C'est juste Ganter machin, là. C'est non, ça t'as vu. Ça, c'est Gand... C'est Gand... C'est là où on est, là, Ganter machin. Et je peux changer j'aimerais de région par la carte des alliances, apparemment. Parce que je crois comprendre. Tu vois, la carte que je viens de te montrer, tout ce qu'on a vu, c'était juste ça. Ah ouais ? Et ça, c'est une autre zone encore, avec une autre carte, je crois. Parce que nous, on est où ? Parce que là, je sais pas où on est, en fait. Non, je vois pas. Je dois partir.
Bah regarde. Pas, quoi, tu, quoi, tu là il y a la mer du Nord. Non, tu vois, c'est tout, c'est toute la carte. Pareil. Moi, c'est toute la carte, c'est pareil. Bah là, il y a Wessex. Donc. Sex. On va voir sur la carte des Alliances si c'est affiché. Wessex est tout en bas. Je vois pas Wessex. Hein. Il y a Essex là. C'est pas Wessex. Pour moi, on est là, nous. Ou alors, on est là. C'est si grand que ça. Ouais. Parle-moi du Grand Breacher. Une force de Danois que les Saxons appellent l'armée d'été campe au nord de Grand Bridge, près des ruines, sur l'autre rive. Nous devrions cultiver les faveurs de ces chefs, Guthrum et Soma, si nous voulons gagner leur compte. Mes éclaireurs ne les ont pas rencontrés, alors je ne sais que peu de choses sur l'état de cette armée. Considère cela comme un point de départ. Tu vois, je vais aller dans le Grand Bridge Scryer. Ah oui. Oh et du coup, quand j'y vais, j'imagine que la map change en fait, ça m'ouvre une nouvelle map. Et je pense que nous, on est genre là ou là, ou on est. En tout cas, on est sur une côte, ça c'est sûr. Putain, c'est fat. C'est si fat du coup. Je dois partir. Par contre, il reste. Ouais, il reste des trucs à faire. Ouais, ouais, c'est ça. J'aimerais bien au moins construire la. Il faut que t'ailles piller un. Mais ça, Bazaker, on s'en fout. La colonie et votre foyer, bâtissez-la et prospérez pour arranger. Alors voilà. Moi, ce que je veux. C'est. Alors, attends, je vais aller voir par là-bas. Est-ce que je vais avoir assez pour construire le truc des assassins? Ceux qu'on ne voit pas, pardon. C'est quoi ça? Bureau de ceux qu'on ne voit pas. Il manque 100. 100 ressources. Le pillage est le moyen le plus sûr. C'est-à-dire qu'il va falloir que j'aille piller. Donc je prenne le bateau et que j'aille piller un. Oh, mais ça va être contre, long, mon gars! La taille de la map, du coup. Oh. Attends, mais y a pas moyen de voir où est-ce qu'on est. Angle terré. Ouais, je sais pas. Ça va être long. Ça va être super long, hein. Si c'est vraiment ça, on va passer 10 plombes. Bon, en tout cas, je pense qu'on va arrêter l'épisode là. Dans le prochain, on va aller piller un autre village pour ouais, récupérer. Je pense qu'on va aller piller d'autres trucs. Pour récupérer des ressources et pouvoir construire le bureau des assassins, de ceux qu'on ne voit pas, pardon. Putain, j'ai pas pu faire. Et l'ordre des Templiers, des anciens. Voilà, c'est ça, des Templiers. Non, des anciens. Non, des Templiers. Non, des anciens. Oui, bon, des anciens, d'accord. Donc on va faire tout ça au prochain épisode. Moi, d'ici là, je vous dis portez-vous bien, à la prochaine, tchuss. Salut!